Et qu'on est qui côté et qui leur installation conseil présidentiel de transition. Il y a un pile d'activités qui entourent l'installation, notamment il y a une sous-commission qui a fait un pile non absité et puis tout, il y a une visite d'exploration qui fait. Il y a un appel national, notamment en parlant de Leslie Voltaire. Quand il y a un travail pour un monde tout qui prend tête et conseil là, est-ce que l'a fait de façon rotative? Est-ce qu'il y a un monde en tête? Est-ce qu'il a pris le président ou bien coordinateur? Plus tant il y a parlé de coordinateur. Donc, il y a pile information qu'a fait sous autour de conseil présidentiel de transition. Sauf que, jeudi, plus d'une semaine après que arrêté a été paraître dans le journal officiel PIA, le moniteur, nous pouvons gagner date avec qui côté que installation pour le fait. Il y a un pile débat qu'a fait sous question installation, sous lieu. Est-ce que gon lieu qui est constitutionnel? Il y a un pile monde qui dit nous parlons de la constitution, pas parler de constitution. Mais il y a parlé tout de installation qu'a pas fait n'importe côté. Mais là, on fait référence à ça, c'est parce que aux environs du palais national, toujours un pile coup de zame qu'a chanté. Hier encore, t'as un coup de zame qui t'a chanté. Et dans bon palais national là, il y a information qui dit que eh ben gang yo ta remè prend palais national là et qui côté installation a fait. Bon, vraisemblablement t'as supposé fait dans palais national, mais c'est pas ça moun français moun kap parler français, la loi des Mèdes et des Perses, ça veut dire c'est pas un bagage qui doit fait quand même, c'est là pour le fait, mais on dit qu'a fait n'importe l'autre qui côté. Est-ce que c'est président cour de cassation qui a vini qu'a fait et installation? C'est autant de questions qu'a posé, mais je dis, d'après l'information qui sort de Port-au-Prince, nous t'as supposé qu'on ait date avec qui côté installation a fait. Pendant ce temps, gagné, gang qui continue à simuler la terre, gang pile coup d'âme qui tire bon palais national, gagné tout et zone vareux qui, eh ben, y'a bloqué côté gang paquet et gaz. Donc, là encore, c'est un problème. Et capital là toujours non situation non ambiance très tendue en attendant que pendant que il y a parlé de installation conseil présidentiel de transition. Donc n'a suivi pour nous gain correspondant nous sous place qui a suivi pour et branché 4 heures pour capable gain dernier information sous installation conseil présidentiel transition. Dossier Haïti, même ça n'a pas parlé de crise humanitaire, de violence, de insécurité, mais était dans l'ONU. Dans pile causé hier qui dit dans l'ONU. Faut dire en avant réunion Conseil de sécurité l'ONU hier, t'as gagné un rapport BINU, Bureau intégré Nations Unies dans le pays d'Haïti, qui t'a fait sortir pour parler de quantité de monde qui mourit, quantité de monde qui blessé, qui j'ai situation et son état des lieux. Mais après ça, plusieurs acteurs et te prend la parole le membre Conseil sécurité Nations Unies sous situation Haïti. Premièrement, gon question zam ça toujours sous tapis, zam kap sot aux États-Unis kap entrer dans pays d'Haïti et ça fait que gang yo vinn gen plus force de frappe pour capable camper en face, non seulement camper en face police nationale là, mais mettre police nationale là en échec. Donc question zam nan li te sous tapis hier encore. Et puis, il y a un paquet d'autres questions qui étaient sous tapis. Bon, il y a des gens qui m'ont ajouté question de l'autre conseil présidentiel là qui a 9 membres là-dedans, 2 qui n'ont pas le droit de vote, mais il y a un seul grain de fil là-dedans. Il a dit qu'il manquait en représentativité. Et il y a l'autre acteur qui sous question qui dit bon, pour qu'il soit obligé de 9 membres, pour qu'il ne soit pas 7, pour qu'il ne soit pas 5, pour qu'il ne soit pas même 3 même. Eh ben, on dit, c'est une question de représentativité, c'est ça qu'il y a comme t'as cherché, et ancien député Jerry Tardieu, qui c'est leader en avant, qui t'a expliqué question ça, question de représentativité. Mais là encore, leur pose question, mesdames, yo, eh ben, question représentativité, vient poser encore. Donc, c'est tout ça qui fait que situation pays d'Haïti, très compliquée, crise, et politique là, qui gagne la donne plusieurs dimensions. Et gagner la donne, crise économique, sociale, les problèmes l'école, et problème grand goût qui est fondamental, problème monde qui pas gagne
côté priorité, yo obligé courir quitter la caillou, leur allons l'autre côté a fait au quitter. Gen moun ki di yo fait plusieurs jours sans yo pas fait toilette, gen plusieurs jours qui pas manger. Donc tout ça fait de son situation très critique. Nations Unies fouille bouche li la donne, mais gen moun ki di c'est la même rengaine, c'est même bagarre la cap aller et tourner encore c'est même cause a, mais sans que problème nan pas résoudre. Et nous pral parler de 95 milliards de dollars que et chambre député a voté dans le Congrès américain, et ben on dit Haïti la donne. Donc on allait la donne, on allait entrer dans l'actualité ici aux États-Unis, et ben chambre député a li voté depuis samedi une enveloppe de 95 milliards de dollars pour principalement Israël qui a gagné 13 milliards de dollars dans guerre a fait contre Hamas là. Gen Ukraine qui par rapport à la Russie a gen 61 milliards de dollars et puis gen Taiwan tout avec Indo-Pacifique là qui a gen 8 milliards de dollars et puis pas gen 9 milliards de dollars pour Gaza avec tout l'autre côté qui gen problème qui gen et difficulté qui très vulnérable donc son gros enveloppe de 95 milliards de dollars. Donc qu'on y a les passer dans chambre député qu'on y a le prendre dans chambre sénat semaine ça on a supposé vraiment résoudre question ça parce que président Joe Biden a gommé longtemps pour bailler ça passer mais toujours gagne un problème là-dedans toujours gagne question frontière et monsieur républicain toujours a mettre là-dedans et gagne bon même TikTok tout rentre là-dedans donc c'est on sauve 95 milliards de dollars mais qui gagne pile retranche mal là-dedans gagne leader majorité dans sénat qui sont démocrates en parlant de Chuck Schumer, eh ben, il dit la presse, il a fait travail là, rapido et presto, et gain républicain, tout, leader, minorité dans le républicain, et sénat, nous connaissons sénat, c'est démocrate contrôlé, eh ben, gain Mitch McConnell, qui c'est leader, minorité dans le sénat, tout, lui-même, il parlait de question ça, il dit que sénat a de faire l'histoire, dans le vote que y'a pral pral. Donc, ça veut dire, sénat a gain pour le voter, eh ben, dans ce moment là, pour y'a ouais, si y'a si on t'a débloqué et enveloppe ça, faut dire que président ukrainien Volodymyr Zelensky lui-même l'a tonne et parce que Ukraine gagne 61 milliards de dollars la donne et ça dépend de qui sous qui forme que braler ses armes et autres. Donc Zelensky dit l'a tonne et 61 milliards de dollars. Donc ça veut dire qu'on y a en plus je fixé sous et Sénat américain pour voir qui le qu'il a passé et loi et ou bien et projet de loi qui déjà passé dans chambre députée depuis et samedi. Donc Volodymyr Zelensky lui-même l'attend toujours. L'autre point encore que nous capable signaler toujours dans l'actualité concernant les États-Unis, nous connaissons 2024 là c'est année électorale, tant comme toujours dit que tout ça que les politiciens fait pendant période ça, il gagne en perspective électorale. Surtout de principal rivalio éventuellement nous pral gagne yon l'autre face à face encore Donald Trump pour parti républicain et Joe Biden pour parti démocrate là donc yo gagne des duels que yo fait à distance côté yon et frappé l'autre hier encore que gagne Joe Biden qui frappé et Donald Trump pendant que l'autre bois mais Donald Trump toujours frappé parce qu'il dit ça la vive là comme procès que yo fait contre lui c'est des procès qui c'est chasse aux sorcières c'est instrumentaliser que Joe Biden a instrumentalisé la justice pour capable et contre Kyle parce que ouais que eh ben l'a marché dans la direction tête droite la Maison Blanche donc qu'on y a et gros bagarre là c'est toute attention braquée sur New York. Sur New York a pour recevoir procès ça. C'est un procès, son gros procès. Pour qui ça l'on gros procès, c'est parce que son procès historique. C'est première fois un ancien président lui-même li gen poul subi un procès criminel. Pour qui ça c'est parce que en 2016, les te gen campagne électorale eh ben et ancien président républicain lui-même à l'époque et candidat, eh ben, il était obligé de dépenser 130 000 dollars pour acheter silence. Stormy Daniels, qui sont, anciens vedettes pornographiques, eh ben, pour acheter silence, pour le pas dire qu'il était dans une relation amoureuse, il était dans une relation fille à garçon,
ou bien en relation sexuelle, m'quitte l'autre moi pour Valério. Valério, bon, j'en dis lui-même, m'quitte exclusivité à copyright, droit d'auteur. M'quitte Valério, j'en dis là, mais c'est pour parler de relations sexuelles que t'as gagné. Donc, monsieur, achetez silence. Ce qui est contraire à la loi, non seulement américaine, mais aussi à la loi pour qui gagne rapport avec élection. Donc, hier, t'as gagné premier journée, côté que, eh ben, jury a, prosecutor li accusé Donald Trump d'est-ce que l'État orchestré un gros complot pour influencer l'élection. Et ça qui passe tout, c'est que, eh ben, c'est que l'on influencer l'élection, c'est un bagaille tête chargée. Bon, bien que avocat, ancien président, dit comme ça que, ou bien, c'est pas un péché. C'est pas illégal pour influencer l'élection. Mais il y a l'autre monde qui dit ça dépend de gens ou influencer là. Donc, procureur dit que l'ancien président Donald Trump lui-même était orchestré un complot pour influencer l'élection. Et alors que avocat M. Trump dit que il n'a pas fait rien qui passe ça. Il n'a pas fait rien qui est illégal. Donc, ça a fait là, c'est li pa bon que vous faites comme ça. Donc, Donald Trump, 77 ans. Mais je dis, le problème qui gagne, je dis, son l'autre aspect encore. Bon, bah, il y a les gagordes. C'est une décision de justice qui empêchait que, ou même en tant que mon principal parti, non procès, ou pas gagne droit à parler de lui et ou à faire menace même. Et dans la déclaration que, dans la déclaration, bien dans le tweet que l'ancien président fait sous ex, ancien Twitter, eh bien, il fait attaque sous jury, sous témoin, notamment Michael Cohen. Nous connaissons que Mounsa, il était cocotte à Figaro dans le temps, il était même avocat et ancien président, mais qu'on y a après, plusieurs cacachats qui sont dehors, Cohen pour prison, il était condamné, donc, Nexa, c'est l'être à citron qu'on y a. Et monsieur critiquer Cohen en pile, lui attaquer Cohen, lui même fait menace. Donc, ça veut dire que Konya va décider, est-ce que vraiment, ancien président, qui n'a procès criminel là, est-ce que t'es violé Gagodeur? Il va prendre décision matin. Donc, matin, on l'autre phase encore dans le procès. Donc, il va pas fait passer toute journée, peut-être que vers 2h, 3h, il a fini. Et c'est ça qui fait que après-midi, à partir de 4h, on va gagner un reportage complet sur ça qui passait aujourd'hui. Hein? Même Jean et Sandra Lemaire, hier, t'es lui-même, t'es présenté nous ça qui passait hier. Donc, c'est un procès que nous avons suivi pour de très près parce que toute la presse internationale, locale et internationale, eh bien, il focus, il accorde une attention spéciale à procès ça qui sont procès totalement historique. Donc, il y a un prosecuteur, en parlant de Chris Conroy, qui lui-même lui dit que ancien président lui-même il violait gag order. Donc, juge Juan Merchan, lui-même c'est lui qui a dirigé les débats. Nous connaissons jury, il y a 12 jurés qui déjà, 12 jurés qui déjà là, avec 6 suppléants plutôt. Donc, il y a suivi de très près et lui-même il y a un rôle capital pour jouer dans le projet ça. Mais c'est dans le même moment ça tout. Il y a un coup suprême qui est pour statuer sous cas ancien président encore pour l'autre cause. Mais ça a un rapport avec l'immunité et ancien président par rapport à ça qui était fait le 6 janvier 2021. Les foule qui présentait tête comme partisan ancien président, eh bien, ils ont été varés sous Capitole là qui sont lieux historiques. Moun kap pale français dit sont lieux emblématiques et mythiques de la démocratie américaine. Eh bien, foule la entrée. Et là, ça te gen vice-président américain qui était là, Mike Pence. Te gen le Speaker of the House, Nancy Pelosi. Yo même yo tapral confirmé la victoire de Joe Biden dans l'élection 2020. Yo. Et foule la entrée ak fracas. Et moun prend cours, il est obligé de courir avec officiel, notamment le vice-président et donc tête chargée. Donc, on va regarder qui niveau immunité que le président te gagne le ça. Donc, il y a gagné pour. Mais ça, lui-même, l'autre gens, moun kap analyse dit que il y a encore plus grave que par rapport à la question de Stormy Daniela. Donc, n'a pas en attendant, Jack Smith, qui lui-même a mené
procès qui a rapport avec 6 janvier 2021, sur soi, avait dit qu'il faut camper sous procès en attendant que la Cour suprême lui prenne une décision. Et décision, ça a très, très important. Il y a des gens qui font l'autre analyse sous la Cour suprême, l'organe de composition de la Cour suprême, les gens que Donald Trump te mette, quand il était conservateur, qui gagne, pour être capable de prévoir qui ça que, qui est capable de sortir dans une question comme ça. Mais nous quittons ça pour spécialistes. Donc, en gros, c'est ça que nous avons gagné, notamment pour nous voir aujourd'hui, dans tout ça qui a passé sous VOA Creole. Mais nous sommes capables de tout que gagne question. Région Moyen-Orient, il est toujours dans l'actualité. Et sans oublier Ukraine, tout, il y a une attaque que la Russie fait côté que un gros pylône de télévision qui crase. Et pour dire que deux guerres ça continue à dominer l'actualité. Non seulement invasion pays la Russie dans l'Ukraine, mais il y a tout guerre que Israël a mené contre Hamas dans Gaza, avec toujours une menace pour descendre dans Rafa, pour d'après ça, et pour le ministre Benjamin Netanyahu dit, pour être capable de finir avec causer et Hamas là. Donc, il y a une tractation qui continue à faire et nous-mêmes, nous continuons à suivre pour. M'a quitté nous avec une note sous sport. N'a quitté, nous connaissons toujours, un pile parler qui continue à faire. Il y a un match Manchester City contre Real Madrid là. Eh ben, il y a quelques bouches monde qui ont goût amer. Comme ça, tout le qui ont euphorie, ont gros joie qu'à l'autre monde. Et, parce que c'était que deux gros entraîneurs qui ont pile histoire qui étaient face à face. Et, t'as gagné Ancelotti, Carlo Ancelotti, le fameux entraîneur italien, qui lui-même, qui a entraîné Galactico, Maison Blanche là, Real Madrid, qui lui-même, c'est le plus titré dans la question Ligue Champion, lui t'a joué avec Manchester City. Yon club anglais qui lui-même c'est détenteur du titre, ça veut tout vle dit tout avec élimination n'a bon nouveau champion et Anessa elle te gen en tête li comme entraîneur Pep Guardiola. Manchester City t'est supérieur Real Madrid, tout spécialiste d'accord, il presque fait l'unanimité. Même moun qui remè Real Madrid yo d'accord que Manchester City gen plus capacité jouer plus bon boule. Mais il faut toujours compter avec un vieux de la vieille. N'a pas parlé de Carlo Ancelotti qui fait choix au marché. Il mène le match là dans pénalité et finalement dans pénalité pénalité bien non négligé. Pénalité qui shoote directement sur gardien. Monsieur dit plus de 90% en général, plus de 90% gardien toujours voué quoi un bon. Et monsieur dirait, mais puisque tu as toujours voyé, le rafouté direct, il arrive que gardien t'est campé. C'est pas un petit beaucoup, toi. Mais monsieur défendre Real Madrid, finalement, Real Madrid qualifié. Et pour le gagner, il y a un match en demi-finale. C'est comme une finale avant la lettre, mon cap pas les français. Lorsqu'on Bayern de Munich avec Real Madrid, il faut le faire. Il y a un monde qui dit que Real parti favori pour la finale et même Real t'a favori, c'est ça moun dit. Nous changer tout que avant match Real Madrid Manchester était parti favori. Même Jean tout Barcelone était parti favori après que le fin calé et Paris Saint-Germain 3-2 dans Stade de France, donc il parti favori. Mais nous voyons que Jean Balaye ben elle a viré avec un superbe, pas superbe, mais monsieur fait deux goals qui très important, n'a parlé de Kylian Mbappé. Donc, dans le football, on est sur le web là, on dit, y a mangé. Parce que monsieur dit, Manchester City, quand il a tout yé, Real Madrid, et vous dit, il n'y a que ça, il va le quitter le vivre même. Mais vous dit, attends, j'ai exagéré. Dans le football, on pas qu'à dire, on pas qu'à dire point bas. Dans le football, on pas dit bah comme ça. Surtout sur le compte football. Parce que le football, c'est ça, t'apprends, monsieur, j'ai Philippe Bob qu'on dit ça. C'est pas le meilleur qui gagne. Il y a des concours de circonstances qui doivent arriver dans le match football qui changent. Le Brésil pas champion, alors que l'Italie, il a un match pour l'Italie qui a le 3-2, alors que l'équipe, ça c'est une plus belle équipe Brésil de gagner pour tout le monde cap avec l'équipe Falcao et avec qui est encore tout gros monsieur Serginho et Tela, Carica, tout monsieur Sayo. C'était la belle équipe qui t'a joué. Un fameux
Paulo Isidoro tout qui était dans l'équipe là, c'était un bel. M'a songé ça moun d'abli, c'est docteur Socrates. Bon bagaille et Falcao, bon bagaille, c'était un bel équipe son gen moun qui dit c'est un violon équipe ça avec un superbe entraîneur Tele Santana, bien que gen moun qui croit que Tele Santana t'es pêché dans genre que Brésil t'es joué contre Italie côté que Italie calé le 3-2 avec un superbe Paulo aussi chaque le Brésil Paulo aussi bal gol nous songe Paulo aussi t'es en prison avec toute crinkle donc question de bail Totonero bail et bolet football donc monsieur sorti en prison mais monsieur a joué avec Italie donc ça c'est bail longtemps que jeune d'un coup Jean-Marc Hervé Abella avec gentil pas connait peut-être que yo lit sous papier mais yo te ti moun toujours mais m'a fini avec une fierté ça n'ta relé ça yo relé yo sensation haïtienne yo fierté haïtienne c'est Melchi Dumoné superbe li continue à porter drapeau wo et moun obligé parler de lui parce que yo dit regardez haïtienne l'elfin fait gol là il dit l'haïtienne l'elfin fait gol là il dans la Ligue champion il dit c'est la joueuse de la semaine et puis but de la semaine il faut le faire c'est une fierté et ben nous connaît ça va bon la caille politique là pas bon mais au moins nous gain ça que nous ca font petit pied sous lui nous dit merci du monde compliment nous dit kembela palagé en esprit. Et on dit Haïti derrière d'ol, il faut le faire. Merci, Melchi Dumoné. Peuple haïtien dit merci. Donc c'est avec bonne note ça que nous avons quitté. Son façon pour live tout chaud, toujours quitter nous avec une note de joie. Parce que la vie pas seulement un côté qui sombre, mais la vie un côté soleil tout, un côté soleil et levé tout. Donc on nous pas toujours, on nous pas. Si vraiment, gon bagay que t'as fait, est-ce qu'elle a un bilan? Qui sa bilan yé? Mais ça n'a mis en ton yo, pour yon mette nan spirale, pour yon mette nan situation, d'ailleurs yon déjà signé pour mission en vini, faut yon avance des évidences pour faire mission en vini plus rapide que possible. La situation des amis internautes, c'est yon sa kap fait la yé. Si monsieur vivant sans mieux, même nèg ou wè ki nan conseil présidentiel calé là qui t'a la loz ki te yo pat nan question conseil présidentiel CARICOM ki yon secteur okial yo guide di avec nèg ki avec examen nan vivre ensemble ça ou pas besoin faire trop gros études ou pas besoin trop gros expert pour comprendre si je cap jouer a est-ce que ouè monsieur Damio ki nan conseil présidentiel là inquiet pour ça qui a passé là yo pas inquiet parce que konnen diable c'est diable parolier diable pas manger yo. Diabla fait bruit pour montrer que là, mais diabla va manger, vrai. Comme si, dans l'état qui est en bas, là, les Voltaire, petit chinois, traverser l'Ivée par le national. À qui ça, traverser pour l'Ivée par le national? Qui j'en fait arriver par le national? En avion, en hélicoptère? Qui j'en fait arriver? Qui ça, ça dit? S'il t'en a par le national, dans le moment, quand tu t'es tatoué, ça va tirer. Qu'est-ce que ça pas dit, monsieur Damio, puis retracter sur question installation, sur question folie pouvoir? Est-ce que ça pas tout dit, jour installation, cap bon massacre en dans pays? Je ne peux pas arriver à comprendre ça? Bah, comme son job qui a bien fait, il pas dégager dimension à compréhension pour juger, pour dire les mérités, que vous retournez vers la population pour connaître qui ça que la population en veut. Si vous dites qu'on a un concept présidentiel, qui chita sous base consensus, qui pague un yé pour un avec légitimité populaire, qui pague un yé pour un avec base constitutionnelle. Ben, il n'y a pas chita tout sous exclusion. Ou un ensemble de monde qui dit qui pas qu'à faire partie. Ou un ensemble de monde qui dit qui s'est ignoré de la nation, il n'y a pas de droit là. Et qui nationalité moun sa yo, c'est haïtien qui est. Criminel. Sans foi, ni loi, kidnappés, terroristes qui n'en vivent ensemble, même eux-mêmes, ils connaissent des criminels notoires. Mais est-ce que je dis, ya, ou cap jouer, n'en fait guerre tout simplement avec criminels, est-ce que résoudre le problème, non, c'est n'en faire guerre avec quelqu'un qui a résolu tout simplement. Je ne sais pas qui ça veut dire pour M. Damio, qui est dans le conseil présidentiel là. Là, il y a une nouvelle. Premier dame, pays Kenya, dans le cadre de activité religieuse,
qu'il a fait pour prier pour les soldats kenyans qui viennent dans le pays, il fait conférence call à travers Zoom avec Jimmy Cherizier alias Barbecue. Qui message qu'il joigne M. Damio dans le conseil présidentiel là? Qui message qui vient joindre automatiquement acteurs haïtiens? La question vini fò ça. Est-ce que c'est planification pour au moins vin voter plus Zamba et Barbecue qui fait madame président William Ruto parler avec Barbecue? Est-ce que Barbecue c'est meilleur monde que Rachel Ruto, madame William Ruto te doit parler dans moment? Di parler avec pour le faire qui ça? Pour le dire qui ça? Nous avons un pays qui a joué épisode en épisode jusqu'à ce qu'il aboutisse son feuilleton. Feuilleton, il a abouti, c'est là, il a fini de manger tout vrai petit pays, il a fait tout, il a levé parti, parce que il a fait compromis avec des mondes que le pays a sans doute t'as une petite confiance là, ou t'as fait petit crédit. Qui ça t'a dit, je dis, ya? On est d'un coup Imler Roby, on est d'un coup Moïse Jean-Charles, on est d'un coup Léon Charles. T'as descendu dans le niveau, qui a descendu là. Ta désapprouvé tête dans le niveau ça pour montrer que c'est des causés. OK? Yo c'est des apatrides. Yo c'est des anti-Haïti. Yo pas vle ouais pays a. Là où tu gagne poste à pouvoir, yo saccagé. Là où tu gagne poste à décision, yo laissé grainer conduire pays à dans sa lia et puis yo tient au présenter comme monde qui plus victime. Et malheureusement, en pile fois il y a une chance. Pour réitérer tête, il y a une chance pour régénérer tête, il y a une chance pour reconstruire tête des mêmes systèmes ça, système basé sur ça qui fait jeune garçon jeune femme pas qu'à rien en dedans pays. Ensemble des cartouches ça qui t'a tiré pendant journée lundi à des personnes. N'avantage qui est ce que cartouche songez, que zam dans ces youn. Nèg qui fabrique zam qui fabrique cartouche là, il pas de problème non, ka fò ka deux zam nan. La foka de zam nan, kote l pral fè kòb la se nan katouche, parce que zam nan sa katouche, zam nan pa reprezante yon. Ils sont danger sans danger. Eh ben, wa imagine, quantité kòb, ke pays occidentaux yo fè la, particulièrement les États-Unis, ki genye de gros entreprises, kap 20 katouche, kap 20 zam an dan pays ya. Chaque jour, nèg vin ansanm yo tire katouche, se nan intérêt moun kap fè katouche pou vann. Chaque jour, la police nan affrontement, avec nèg qui gen zam illégal dans le pays, c'est avantage pour moun kap vann katouche, soit qui aux États-Unis, qui Canada, qui la France. Y a fait plus kob. Et yo paye plus tax tout avec pays yo. Si marché ça li totalement crasé, eh bien, industrie qui a vann katouche, qui a vann zam yo, l'a totalement baissé, eh bien, yo servi avec Haïti. Comme plus gros couloir, comme plus gros marché qui yo gagne. Je veux dire, personne n'a dit nèg yon, n'entre katouche, n'entre zam dans le pays. Parce que nèg qui premier ministre, nèg qui ministre, nèg qui directeur la police, yo tout yo fait partie gang nan. C'est moun qui a victime yo qui a pris les amoué, malheureusement, amoué qui a pris les assez en 20 blessures. Moi-même, bon, m'a regardé ça, et pendant que n'a tout regardé, fait la transité, pour nous avec question, monsieur, alors, militaire politique Rosemont Jean, qui annonçait gros mouvement pour jeunes mardi avec mercredi ça, dans la capitale haïtienne. Rosemont Jean, qui lui-même, par suspens, dénoncé et condamné